Izzy était à Paris. Izzy. Oui, Izzy, le mannequin avec ce son rap. Ben, il était à Paris. Il a eu un accident en voiture et... Soit il est mort, soit il est dans un sale état. Mais tu m'emmènes où là, mon amour? Tu vas voir, c'est une surprise. Ah ouais, mais c'est quoi cette surprise? Tada! Oh oh, mais c'est magnifique! C'est chez nous? Eh ben oui, j'ai profité de nos vacances au Sri Lanka pour refaire tous les travaux qu'il fallait et je l'ai même visité avant de partir. Bonjour tout le monde! Adixia? Ben alors, ça va? Ça fait plaisir de vous voir, ça va? Mais Adixia, mais nous aussi ça fait plaisir, mais t'étais passé où? J'étais en Italie. Bon, écoute, je devrais pas te le dire, mais... J'ai eu Fanny au téléphone. Fanny? Quoi? Elle va bien? Mais pour... Quoi? Mais pourquoi elle est partie comme ça? Pourquoi elle a quitté Christian? Bon, normalement, elle voulait pas que je te le dise, mais... Si tu me promets de le dire à personne, je te le dis. Justement, je te le promets, mais pourquoi? Elle a fait une grosse bêtise. Quoi? Elle a fait une bêtise. Une grosse bêtise. Quoi? Elle a embrassé une femme. Et toi et moi, on parlait toujours dans un hôtel à Paris, pas très loin. Mehdi, fiefé, vous dites hein? Ah. Oui. Merci. Mais je vous connais, vous. Moi? Vous êtes la femme de Théo. Oh, Théo, oui, c'est vrai, Théo, je l'avais oublié, Mios. Non. Mais vous inquiétez pas. Il est entre de bonnes mains. Comment ça, entre de bonnes mains? Il est sorti? Ça fait un petit mois maintenant. Quoi? Attends, t'es sûr? Mais oui, on est restés 4 mois ensemble. Enfin, sans compter la rupture. Mais aujourd'hui, tu l'aimes plus? Ouais, je vais aller appeler Alex, moi. Allez. Sébastien, tu te souviens de moi? Bastien! Attends, t'es sûr de ce que t'as fait hier avec ton ex? Ben oui, pourquoi? Ouais, ben moi je suis pas sûr, tu vois. Quoi? Comment ça? Tu l'aimes encore, c'est ça? Quoi? Mais non, mais pas du tout. Tu sais, dis-moi la vérité, moi je m'en fous. Et c'était ce matin déjà? Oui, ce matin, je me suis trompée, mince. Mais non, je l'aime plus, écoute. Je te jure que je l'aime plus, je te jure. T'es sûr de ce que tu dis là? Mais oui, écoute, je l'aime vraiment plus. Et... En fait, je voulais juste lui dire que j'avais retrouvé quelqu'un. Pour lui... Crise des quoi. Pour lui dire que c'était vraiment terminé, quoi. Mais lui, il le sait. Il a peut-être retrouvé quelqu'un, non? Je sais pas, mais en tout cas... J'avais besoin de lui dire. C'est ça, t'avais besoin de lui dire. Ouais, si tu le dis. Bon, on y va. Allez.
Allons-y. Tu sais, papa, même si j'aime plus Fanny, ben, on est toujours amis. Et elle me manque. C'est vrai qu'elle manque. Hein. Même que je la voyais pas souvent, bah, elle me manque, quoi. C'est Fanny, quoi, c'est... Je sais, Fanny, je sais. Mais bon. Ah là là. Et dis donc, vous racontiez quoi ce matin avec Aya? Je suis sûre que vous parliez de Fanny. Parce que j'ai entendu Fanny, Fanny, blablabla. Non, non, de rien, de rien. Bah, rien. Rien, t'es sûr? Bah, écoute, oui. Non, ça. Elle t'appelle ou pas? Non, pas du tout. T'es sûr? Certain. Parce que des fois, je t'entends au téléphone, je t'entends dire Fanny, Fanny. Je t'en suis remassé un messagerie et je lui laisse un message. C'est ça, oui. Je vais te croire. Bah, pourtant, c'est vrai. Mais bien sûr, ouais. Bah, oui. Oui, t'as raison, c'est vrai, ouais. Bien sûr, ouais. Tu crois que je vais te croire, Phoenix? Bah, crois-moi ou crois-moi pas, c'est la même chose. Hein. De toute façon, c'est pareil. Je n'ai pas fait de nos téléphones. Bon, ouais. Je te crois. Je te promets, papa. C'est ça, t'as pas besoin de me promettre, hein, ça va. Oh là. Bon. Bon, j'espère qu'on va avoir des nouvelles rapidement, quoi. J'espère qu'il va s'en sortir. Ouais, bah, si il est dans cet hôpital, j'espère aussi, hein. Bah ouais, nous aussi, J'ai prévenu Ayem, elle va arriver. Ah, elle va comment, elle? Ben, ça va, elle a sa vie, elle a son mec. Écoute, elle va bien. Ben, c'est cool, ça, c'est vrai, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Simon! Ah, bah, quand on parle du nom... Simon, j'ai appris, je suis venue aussi vite que j'ai pu, désolé. C'est pas grave. Salut, Ayem. Salut, Ezixia. Mais c'est parce qu'en juste... Eh ben, on sait pas... Bah, en fait, j'ai vu sur Internet et à la radio que peut-être il a eu un accident de voiture, ton père, et... Mais on n'est pas sûr que c'était lui dans la voiture, mais c'était sa voiture. Quoi? Et on n'a pas de nouvelles de Sandra non plus. Comment ça, pas de nouvelles de Sandra? Ben, elle est passée à la maison l'autre jour, elle a reçu un coup de fil et elle est partie depuis on n'a plus. D'accord. Bon, je vais appeler Chloé, moi, quand même, pour la prévenir. Ouais, t'as raison, parce qu'elle va s'inquiéter. Ouais, t'as raison. Bah, dis-lui de nous rejoindre, comme ça, on sera au complet. Ouais, t'as raison, je vais lui dire. J'espère qu'il va s'en sortir s'il est là. Et imagine, il n'est pas là. Ben, on se sera trompé tout. On espère, nous aussi. Bon, ah, docteur, vous avez des nouvelles? Alors, écoutez, oui, mais non. Comment ça, oui, mais non? Vous arrêtez de jouer sur les mots? Ben, en fait, il n'y a pas de médecine. Quoi? Je suis désolée. Donc on s'est tous angoissés pour rien, quoi. Si je comprends bien, oui. Mais écoutez, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de midi, mais j'essaie de me renseigner, de tomber. Je reviens vers vous. D'accord, merci. Bon. Et alors, on fait quoi maintenant? Eh ben, on attend. Putain, j'espère qu'il va s'en sortir. Mais oui, mais s'il est pas là, on sait pas. Il est peut-être dans un autre hôpital. Ah non, ouais, c'est bon, je vais pas faire tous les hôpitaux de France, moi, c'est bon. Bon, et sinon, ta chérie va bien? Très bien, très très bien. Ce serait bien qu'elle s'en sorte, Adrien. Mais, il est où, Max, en fait? Max, il est parti, il avait des trucs à faire. Ben d'accord. Pourquoi?
rêver après comme ça. Oh putain, non. Il y a même qui en couple en plus. Ah, ça me fait quelque chose de lui reparler. De lui avoir reparlé. Ouais, ça fait assez. C'est vrai que je l'avais oublié complètement. Que j'étais guérie, moi, mais. C'est pas que je suis triste en fait, c'est que je suis choquée. On a quand même vécu une belle histoire et par le fait qu'il réapparaisse comme ça au bout d'un an après ne pas m'avoir donné de nouvelles, qui m'annonce qu'il est en couple, c'est bouleversant. Julien. J'ai besoin de Julien là. Putain. Je vais l'appeler. Ah mais il répond pas. Il faut que je le voie. Je crois qu'il faut que je voie Bastien et que je sache avec qui il est en couple. Il m'a dit qu'il me rappellerait. Sûrement. Je vais attendre et puis on verra. Allô? G? Quoi? À l'hôpital? D'accord. Tu veux que je vienne? Ben, si ça te dérange pas, ouais. Et puis comme ça, tu verras Hélène. Ouais, t'as raison. Bon, bah d'accord. Je me prépare, je me change, et puis j'arrive. Ok, bisous mon amour. Bisous à toutes. Je me demande bien ce qui peut se passer à l'hôpital, mais je comprends pas. Bon, j'ai eu Chloé, elle arrive. Ah ben c'est super, ça fera l'occasion de la voir comme ça. Eh oui, c'est génial, mais vous êtes toujours ensemble. Eh ben écoute, ça fait un an. Eh ben c'est génial, je suis content pour toi, mon chien. Mais merci, Adixia. Je me souviens des fois. Avant, elle venait me voir. Ah, c'est vrai, vous êtes déjà passé à la maison, toi et Chloé, non? Oui, c'est vrai. Et je me souviens, avant, elle venait me voir avec son ex, qui est aussi l'ex de Fanny, d'ailleurs. Ouais, Jonathan, il est sympa, lui, hein? Ouais, il est gentil. Ah, cool, on va pouvoir la voir un petit peu. Ouais, c'est cool. On va être bien dans cette maison. C'est vrai qu'on va être bien. Je t'aime, Rudy. Moi aussi, je t'aime, tu sais. On va être bien dans cet appart. Hein. C'est vrai, on va être vraiment bien. Ouais, vraiment très bien. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, rien, t'inquiète. Mais dis-moi, dis-moi. C'est juste que j'ai une dette à payer pour l'appartement. Que j'ai pas encore payé. Ah, c'est juste ça, mais c'est rien, ça. On s'en fout, tu payeras plus tard. Non, je peux pas payer plus tard. Tu m'as donné un délai et je dois respecter le délai. Ouais, c'est vrai, c'est mieux. Mais t'inquiète pas. Tu vas la payer, cette dette, n'est-ce pas? Mais évidemment que je vais la payer. Je vais rester dans cet appartement, moi. Amour, t'inquiète pas. Bon. Et si on allait tester le nouveau lit, très confortable. T'as envie de moi, toi? Exactement. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens. Avec plaisir. J'en ai très envie. Allons-y. Bon. Je pense qu'il va être bien, Rudy, dans sa nouvelle maison. Ouais, vraiment très bien. Je pense que lui et Mila sont faits pour eux. Cette maison est faite pour eux, quoi. Et Rudy et Mila, je pense qu'ils sont faits pour être ensemble. Ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Ils sont gentils, en plus. Mila, elle est gentille. Il a bien trouvé Rudy, pour le coup. Ouais, non, franchement, je suis fière de lui. Je suis vraiment contente pour le coup qu'il ait trouvé chaussures à son pied. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai quand même des affaires à régler quand même. Hein.
Parce que c'est bien beau de parler blablater de mon meilleur ami, mais quand même, j'ai du boulot. Oh, et en plus, j'ai des clients à voir pour mes affaires. Au boulot. Bon, Sandro est vraiment parti. Le pauvre. Je crois que je l'ai vraiment vexé. Je regrette. Je sais qu'on c'est vrai. Je l'aime bien, le petit Sandro. Il est mignon. Il est gentil. C'est un ami et. Je l'adore, quoi, le pauvre. Pour partir comme ça, comme il l'a fait, c'est qu'il a dû vraiment être vexé, quoi. C'est chose que je ne voulais absolument pas faire. C'est la vie. C'est comme ça, le pauvre. Bon, il faudrait peut-être que je me mette au boulot, moi, parce que j'ai masse de taf et. Ce serait bien que je m'y mette, quoi. Alors, Ginger Moretti, il est bouclé. Enfin, ouais. Bon. J'espère que Sandro va revenir, en tout cas, parce qu'il m'aide vraiment bien. Et je pense pas que je vais pouvoir gérer tout seul. Bon. Il recommence à retrouver la mémoire petit à petit. Ouais, bah, plus ça va, plus j'ai l'impression que ça empire, moi. Alors, tu vois. Mais non, t'inquiète pas, regarde, il va bien. Ah, c'est vrai, tu vas bien, Théo. Mais je vais très bien. Mais il est où, mon frère? Mehdi? Oui. Je sais pas. Moi, je sais, moi. Mehdi, tu veux savoir où est ton frère, papa? Mehdi, oui. Eh bah, ton frère, tu sais qu'il est mannequin. Là, il est aux États-Unis pour faire des photos. Ah bon? Eh oui. D'accord. Et donc, il rentrera pas maintenant. Il va rentrer au moins parce que j'ai envie de le voir, moi. Évidemment qu'il va rentrer pour te voir et pour nous voir. Puis il va rentrer pour voir Ayam et Simon. Aussi, ouais. Hein? Bon, tu veux faire quoi, papa? Dis-moi. J'en sais rien, moi. Oh! Le ciel est vraiment bleu, hein? Il est joli, hein? Oui, très joli. Et tu comptes faire quoi avec Alex? Bah, je sais pas. D'accord, tu sais pas, en fait. C'est normal, en fait. Logique. D'accord. Toi, tu ressurgis dans sa vie. Un an après, tu l'appelles en lui disant que tu es en couple et tu sais pas quoi faire, d'accord? Logique. Hey, c'est jaloux ou quoi? Non, c'est juste que j'aime pas qu'on me prenne pour un débile. Hey, depuis le temps qu'on se connaît. Ouais, bah justement, depuis le temps qu'on se connaît, justement. Hein? Ça va, ça fait 4 ans qu'on se connaît. C'est mon meilleur ami. Ouais, je suis ton meilleur ami, super. Hein? Ouais, c'est ça. Bref, écoute, on est en couple, là, on n'est pas. Bah, avant, t'étais. C'est vrai, avant. Oui. Avant. Ça, c'était avant. T'as raison, c'était avant. Oh. Et je t'aime. Tu vas le rappeler? Ouais, peut-être, j'en sais rien. Tu m'as dit que tu le rappellerais, tu sais pas. Mais je sais pas, comment veux-tu que je sache, moi? Tu sais pas, normal. J'espère vraiment que c'est pas lui, vraiment, Simon. Mais calme-toi, j'y suis pour rien, moi, c'est bon. Oui, calme-toi, Yem, on y est pour rien. Non, mais je sais, mais. Oh, et puis merde, tiens. Hello tout le monde! Chloé, ça fait plaisir, hein, ça va? Et ça va super, et vous? Coucou! Bon, je vous fais pas la bise à tous parce que vous êtes nombreux, mais le cœur y est, hein. Mon amour. Ouais, ça va. Ça va, ma soeur? Bon, qu'est-ce qui se passe en fait là? On peut m'expliquer?
Bah, en fait, peut-être Mehdi a eu un accident de voiture, mais on n'est pas sûr parce que c'était peut-être pas lui dans la... D'accord. Et on attend quoi là? Le médecin. Bon. Alors, je suis désolée, mais il n'y a pas de Mehdi ici. Je suis désolée. Ah, bah, d'accord. Bah, on est désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Alors, mais on a vu sur internet que le mannequin, enfin. Ouais, je le connais. Je l'aime bien, lui. Mais si c'était vraiment sa voiture, c'est possible que ce soit pas lui dedans. Ouais, c'est possible. On y a pensé. En tout cas, je suis désolée, hein. Je vous dis au revoir. Ouais, bah au revoir. Vraiment désolé, hein. Pas de soucis. Asdixia? Oui? Si vous voyez Théo, vous lui dites bonjour de ma part. C'est mon meilleur patient. Ah oui? Ah, logique, hein, très drôle. Il est resté dans le coma tout le temps qu'il était là. Non, mais il était dans le coma et puis un jour il s'est réveillé. Et il est super sympa. Ben, d'accord, je vous dirai. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon, on fait quoi, nous? Eh ben, j'en sais rien. Eh ben, venez tous à la maison, comme ça, on se boit un café et on parle. Eh ben, avec plaisir. Non, nous, on va rentrer, on va aller voir Christian. Ah ouais, c'est vrai, le pauvre, mais c'est quoi cette histoire? Bah, on sait pas pourquoi Fanny est partie il y a plusieurs semaines et... Enfin, voilà quoi. D'accord. Tu sais, papa, je te promets que j'ai pas de nouvelles de Fanny. Enfin, si, elle m'appelle de temps en temps, mais... Bon, d'accord, elle m'appelle de temps en temps, mais voilà, j'insiste. Je demande à chaque fois pourquoi elle est partie. Elle veut pas me dire quoi. D'accord. Enfin voilà, c'est assez compliqué quoi. De quoi? Ah, ya. Bah, tu sais que Fanny est partie. Ouais, c'est lourd. Bon, et Christian, le pauvre. Ça, je te le fais pas dire, ya. Je te le fais pas dire, le pauvre. Il doit être dans un état second, quoi. C'est. Bah écoute, non, il a l'air d'aller bien. Écoute, je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines. Il a l'air d'aller bien. J'ai dû l'avoir il y a 2 semaines. Il allait bien, hein, franchement. Ouais, il était pas. Bon, d'accord, il avait une voix un peu triste, mais. Bah, normal. Mais bon, Fanny va peut-être revenir. Un jour. Bah, ça, c'est pas dit, hein. Non, mais je reste optimiste. Elle va revenir, je pense. C'est clair après ce qui lui est arrivé. Le pauvre. Ouais. Peut-être qu'elle avait fait une bêtise ou je sais pas moi. Ben ouais, moi non plus, je sais pas. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Ouais, la vie, on a décidé ainsi. Bon, ben voilà, j'ai réglé mes affaires. Pour aujourd'hui, c'est assez. Je passais voir Kondi ce matin en plus. J'ai fait pas mal de trucs, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le boulot, faut bien gagner sa vie. Eh ouais. Bon, bah. Rudy, il a l'air d'être heureux, quoi. Et tant mieux pour lui, écoute. Eh ouais. Je parle à moi-même maintenant, moi, je suis débile ou quoi. Mais Rudy, il a vraiment l'air d'être heureux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air d'être heureux. Tant mieux pour lui. S'il est amoureux, tant mieux, comme on dit. S'il est amoureux, tant mieux. S'il ne l'est pas, tant pis.
Comment il a pu me faire ça? Après ce qu'on a vécu, je comprends pas. Ah ouais, c'est... Je comprends pas, je culpabilise, je me dis que c'est peut-être de ma faute. C'est pas que je veux pas qu'il soit en couple, je m'en fous, mais c'est... Ah, c'est... Bah, c'est juste que je suis choquée qu'il m'ait appelé, quoi. Je crois que ça aurait été mieux s'il m'aurait pas appelé, hein. Je crois que... Ben là, qui m'a appelé, je crois que c'est pire. Julien? Oui? Il y a Sandro qui veut te parler. Faites-le entrer. Tu m'en veux encore pour hier, hein? Non, c'est oublié. Mais c'est toi qui devrais m'en vouloir. Tu sais... Je t'aime. Je te considère vraiment comme un ami pour moi. C'est vrai, tu m'en veux plus pour ce matin. C'est oublié. Ah, mon pauvre. T'inquiète pas. On est amis. C'est... Quand je t'engueule un peu, c'est pour rire, c'est pour t'embêter, c'est pas... C'est vrai, c'est pas méchant. C'est vrai, mais non, c'est pas méchant. Du tout. Je suis désolée, Julien. C'est pas grave. C'est plutôt toi qui devrais m'en vouloir. Moi, je t'en veux pas. Parce que je t'aime, Julien. Pardon, Julien. C'est moi qui te demande pardon, Sandro. J'accepte tes excuses. Moi aussi, Sandro. On devient amis. Toujours, on est toujours amis. Même si je suis amoureux de toi depuis un an. Je sais ça, mais non. T'inquiète, j'ai bien compris. Hein. Mais non, c'est pas ça. Non, mais tu voulais pas de moi, que tu... Moi, quoi. Enfin, en amour. Ah, je suis désolée. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Je comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi je le dis en chanson, moi, d'ailleurs? Je suis bête ou quoi? Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi, s'il vous plaît? Dites-moi juste pourquoi. S'il vous plaît. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Putain. Ah, c'est... Je sens parler à quelqu'un, la mère qui... Pourquoi? Non. Putain, puis maman qui donne pas de nouvelles là, c'est inquiétant. Ouais, c'est vrai. Bon, et puis sinon, toi, ça va avec Emma? Ben écoute, ça va, j'ai tout dit à Max hier. Ben qu'elle me trompait, quoi. Max? Il a dit quoi, Max? Ben il a dit qu'il pouvait rien faire pour moi, qu'il était désolé, qu'il avait de la peine pour moi. Enfin, que si je voulais, il pouvait m'aider à trouver le coupable de la tromperie. Enfin, ouais. Voilà, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien y faire. Malheureusement. Et non. Ah, putain. Puis pour le plus Christian, là, tu fais une petite partie comme ça, la pauvre Christian, en plus. Ouais, c'est vrai. Mais là, j'ai pas vraiment la tête à parler de famille, quoi. Non, c'est sûr. Putain, je suis très inquiète pour papa. Vraiment. Et pour maman aussi. T'inquiète pas, ça va aller. On va se serrer les coudes et tout va aller mieux. Ouais, bah ça, c'est pas dit, hein.
Mais si, tu verras. Tu crois? Mais oui, écoute. C'est rien, c'est juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe, attends. T'as ton père qui a peut-être eu un accident en voiture qu'on sait pas où il est. Et t'as ta mère qui donne pas de nouvelles depuis 4 jours. Putain. Non, là, je suis là il y a 2 jours, c'est-à-dire avant-hier. Ah oui, avant-hier. Mais c'est inquiétant, Simon, c'est inquiétant. Je sais, ma biche, je sais. Allez, viens, t'inquiète pas. Ça va aller. Alors, viens. C'est inquiétant, Simon. Putain, puis Sandra qui donne pas de nouvelles, c'est inquiétant quand même. C'est clair, c'est inquiétant. Mais elle vous a rien dit, pas... Ben, je sais pas, j'étais pas là. Ben non, elle nous a rien dit, elle a reçu un coup de fil et... Bam, elle est partie et depuis plus de nouvelles. En tout cas, je me demande bien ce qu'il a pu se passer, quoi. Ben ouais, moi aussi, j'étais pas là, ben c'est dommage, ouais, j'ai raté quelque chose. Mais comment ça, il s'est passé quoi, Adixia? Ben, je sais pas, je sais pas. Je reviens d'Italie, je sais pas. D'Italie? Mais t'as été faire quoi en Italie? Ben, j'avais des petits trucs à régler, j'avais mes petites affaires. Ben oui, ça t'a permis de prendre un petit peu quelques jours de vacances. Ben ouais. Ah, en fait, Peter, je suis prête à aller n'importe où tu m'envoies. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est cool. Je t'envoie à Los Angeles demain? Attends, je viens rentrer d'Italie, laisse-moi au moins une semaine, s'il te plaît. Bon, bah, on va y aller, nous. On espère que Sandra donnera des nouvelles, hein, Jimmy. Ouais, bah, c'est gentil d'être passé ce matin, en tout cas, les Chloé, merci, Jimmy. Et de rien. Ouais, à plus, Jimmy, puis si t'as besoin, tu viens. Eh bah, je sais où frapper. Comment ça? Oh, rien. D'accord. Bon, alors on espère qu'ils sont en train de me raser des nouvelles en tout cas. On est bien là, hein? Oui, on est bien. On pourrait rester encore des heures. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais tu sais, je sais pas si c'est une bonne idée. De quoi? Bah, qu'on se remette ensemble par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, enfin. Par rapport à Yemi Simon. Ah oui, mais... Je sais, mais bon... Bon, écoute, je t'aime. Tu m'aimes. Mais je pense pas qu'on... Ça va remarcher entre nous. Pourquoi ça remarcherait pas? On est heureux, non? On est heureux, oui. Mais je sais pas si ça va durer. Pourquoi? Je pense pas que les enfants accepteront qu'on se remette ensemble. Ouais, c'est vrai, mais on s'en fout, tu sais quoi. Mais non, on s'en fout pas. En plus, là, elle doit s'inquiéter. Quand tu m'as appelé l'autre jour, j'étais chez Adixia. Tu m'as appelé, je suis partie en courant comme ça devant la maison. J'aurais pas redonné de nouvelles depuis. Je pense qu'ils ont dû s'inquiéter. Laisse, on s'en fout. C'est pas grave. Bah, un peu quand même, si. Si tu crois. Bah, ouais, un peu. Ouais, t'as peut-être raison. En tout cas, j'ai bien envie d'un petit câlin. Un petit câlin. Ah, oh, mais arrête, je suis chatouilleux. Ah, t'es chatouilleux? Ah, bah, ça tombe très bien, tu vois. C'est vrai. T'es chatouilleux? Bah, y a pas de souci. Tiens, regarde. Je me chatouille encore plus. Arrête ça. Police, ne bougez pas! Cet appartement est formidable. Oui, formidable. Qu'est-ce qu'il y a de maman? Non, rien. Mais allez, dis-moi. Non, c'est juste qu'il faut que je paye la dette, quoi. Ah oui, la dette. Et ça fait quoi si tu la payes pas? Eh ben... Ils vont nous virer de l'appartement. Hein. Alors, pourquoi t'es parti? C'est toi qui es parti, hein, pas moi. Hein. Je sais, mais... J'avais honte et tu voulais pas me pardonner, alors je savais plus quoi faire, j'ai préféré pas. Hey, je te signale que je me suis évanouie au sol hier chez moi par terre. Quoi? T'as fait un malaise?